L'église de Toumoudi, au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région spirituelle du Bélier, a reçu le pasteur Boniface Meynier ce dimanche 19 novembre 2023 dans le cadre d'une campagne d'évangélisation. Rendu notamment les témoignages de salut, de délivrance et de transformation authentique opérés par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des frères, ainsi que le ministère de la prédication chantée des semeurs. Le tout couronné par la proclamation de l'évangile du pasteur Boniface Meynier, ou concouru à l'engagement de 87 âmes qui ont répondu solennellement à l'appel au salut. Jésus dit, toutes choses m'ont été données. Par mon Père. Viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé. La présence du Saint-Esprit était tangible à ce programme au regard de la puissance et l'authenticité avec lesquelles tous les frères programmés ont rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ qui pardonne, qui délivre de l'esclavage du péché, qui transforme et qui restaure. De la délivrance des mensonges du fétichisme et de la cupidité à la délivrance de l'ivrognerie en passant par la délivrance authentique de la prostitution, tous les témoignages venaient à point nommé pour confirmer la vérité du message proclamé par le prédicateur. Il était aisé pour le pasteur Meynier de présenter avec des exemples concrets à l'appui que tous les problèmes de l'homme, dans tous les domaines que ce soit, trouvent leur solution en Jésus-Christ. Ton problème, sans mon sou à sa solution en Jésus. Il soutient là où Jésus, il nous. Tous les domaines de la vie de l'homme. Tous les problèmes que les hommes peuvent rencontrer dans leur existence. La solution. Il soutient. C'est en Jésus de Nazareth. Oh Jésus, va finir Nazareth, nous. Acclamation à ce Jésus. En effet, comme le confirme le passage de Matthieu, le chapitre 11, le verset 27, toutes choses ont été données par Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, Dieu, le Créateur du ciel, a donné tout ça à son Fils. Jésus à nous. Il a donné tout à son fils. On se croit les Jésus à nous. Il a donné tout à son fils. On parle de moi, Jésus. Il a donné tout à son fils. On se croit les Jésus à nous. Il a donné tout à son fils. On fait croire les Jésus à nous. Dis amen. Amen. Relis ce passage-là dans ta Bible. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Si je déclare que toutes choses ont été données à Jésus. Jésus. Notre Sauveur et notre Seigneur. Ainsi, ce n'est qu'en lui et exclusivement en lui que les hommes peuvent trouver solution à leurs problèmes. Et pour ce faire, Jésus lance un appel à tous les pécheurs perdus en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Viens à Jésus. Là, Jésus, si. Jésus va mettre fin à tes oppressions. Jésus, voyons-moi, quelqu'un va souffrir pour la envie. Jésus va mettre fin à cette maladie. Jésus, tu pas qu'un en sous, ok. Qui te brise. Tu pas qu'un en quoi. Les hommes ont collé l'opprobre sur toi. Sans me falir. Jésus va l'enlever. Sans que Jésus aille, il va relever ta face.
On appelle ça la restauration. C'est ce que Jésus a dit. Il te demande une seule chose. Viens à moi. Tu es fatigué, chargé. Viens à moi. Tu es croyant ou non croyant. Si tu es chargé, viens à Jésus. Jésus invite les hommes à abandonner le péché et à venir à lui pour recevoir le repos, tout en prenant sur eux son joug doux et léger. Ce qui traduit le fait de venir à lui, non pas pour juste bénéficier de sa bonté et de sa miséricorde pour ensuite s'enfuir, mais plutôt venir à lui pour demeurer connecté à lui, marcher avec lui et le servir. Le Seigneur Jésus, unique solution de Dieu pour le salut de l'humanité ayant été clairement présentée par le pasteur Boniface Meynier, l'appel lancé aux âmes en ce jour a eu pour réponse 87 âmes qui n'ont pas pu résister à la main d'amour tendue par le Seigneur Jésus-Christ. Conformément aux promesses de miracles devant accompagner ceux qui auront cru, l'homme de Dieu a conduit par la suite un moment intense de prière et de combat spirituel. Agis dans les montagnes et apporte-nous la liberté. Agis dans les profondeurs de nous et apporte-nous la liberté. Plusieurs délivrances et guérisons miraculeuses ont été enregistrées séance tenante. C'est avec beaucoup de joie que les saints de l'église de Tout Maudit, joints par des frères venus de plus de 9 localités, ont accueilli le pasteur Meynier ce jour. Cette joie s'est même traduite par une abondance de dons faits au leader national de la CMCI Côte d'Ivoire par les frères. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ces dons. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Amen. 8 poulets et 9. Notons que par cette mission express à Tout Maudit pour cette fructueuse campagne d'évangélisation, le pasteur Meynier donne un ton concret de l'obéissance à l'appel du Seigneur à l'endroit de toutes les églises de la CMCI Côte d'Ivoire, à savoir s'engager activement dans la conquête des âmes en ces derniers jours de la croisade du ministère. D'autres détails sur cette campagne d'évangélisation seront donnés dans les prochaines éditions de RTVC Info.